Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire une revue puisque c'est pour vous présenter une box. Et avant toute chose, avant de démarrer la description de cette box, je voulais vous faire un petit point tout simplement parce que cette vidéo est mon tout premier partenariat. C'est une box qui m'a contactée pour savoir si je voulais tester leur concept et ensuite en parler en vidéo. Ouais, je voulais prendre deux petites minutes pour parler de ce sujet avant toute chose et ce sera valable pour toutes mes autres vidéos partenariats s'il y en a d'autres, hein. Je suis pas en train de dire qu'il va y en avoir 100 millions derrière. Bien sûr, ce n'est pas parce que c'est un partenariat que ça change quoi que ce soit à mon avis. Déjà, il faut savoir que avant d'accepter ce partenariat, je me suis renseignée. Je suis allée visiter le site internet, je suis allée visiter les réseaux sociaux, j'ai été voir si c'était sérieux, si le site était sérieux, s'il existait bel et bien, s'il y avait des réseaux sociaux associés, etc. Je suis allée voir déjà dans un premier temps si c'était quelque chose de sérieux et de voilà qui existait bel et bien, ce qui fut le cas. Et ensuite, je me suis renseignée sur le concept, sur comment ça fonctionne. À partir du moment où j'ai constaté que c'était un concept qui me plaisait, il faut bien sûr que ça me plaise et que ça puisse vous plaire aussi. Ça me paraît logique avant d'accepter, peu importe le partenariat que j'accepte ou que j'accepterai, il faut bien sûr que ça rentre dans ce que j'aime et dans ce que vous pourriez aimer aussi. Là, c'était le cas et du coup, c'est pour ça que j'ai accepté. Et la personne a vraiment pris en compte mon avis, mon opinion. Si j'aime ce qu'on m'a envoyé, je vous le dirai. Si je n'aime pas, je vous le dirai aussi. Tout se fait sur un rapport de confiance. Il faut que je sente que je peux avoir confiance en la personne avec qui je converse et que vous, vous pouvez avoir confiance en moi. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos et c'est mon tout premier partenariat en 3 ans. Si vraiment le partenariat c'était mon moteur, si c'était ça qui me motivait à faire des vidéos, si je ne faisais des vidéos sur YouTube que dans le but d'avoir plein de partenariats et peu importe les conséquences, je peux vous dire que ça ferait longtemps que j'aurais arrêté les vidéos parce que premier partenariat, et je dis pas que c'est ça que je recherche, hein. Je fais pas des vidéos dans le but d'avoir des partenariats, c'est que voilà, la personne est venue à moi et je trouvais le concept sympa et je trouvais sympa de vous le partager, donc je vous le partage. C'est absolument pas dans ce but là que je fais des vidéos sur YouTube parce que vous vous doutez bien que si c'était mon but, en 3 ans, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Alors, je pense qu'au bout d'un an, sans partenariat, je me serais dit, oh bah c'est bon, les partenariats ça marche pas pour moi, j'arrête. Vous voyez bien qu'en 3 ans, j'ai toujours fourni des vidéos sur plein de styles et plein de domaines différents, que ce soit beauté et lifestyle. J'ai toujours donné mon avis honnête et sincère. Je vois pas l'intérêt de suivre les vidéos de quelqu'un en qui on ne croit pas et en qui on n'a pas confiance. Donc j'ose espérer que si vous suivez mes vidéos et que vous êtes abonné, c'est que vous me faites confiance. Et si je fais un partenariat, ce sera toujours mentionné, que ce soit en direct, que ce soit dans la barre d'infos, vous saurez si c'est un partenariat ou non, je ne le cacherai pas. Maintenant que j'ai fait mon petit speech, je vais pouvoir passer à la présentation de la box puisqu'il s'agit bel et bien d'une box, donc comme n'importe quelle box, ça fait déjà beaucoup de fois le mot box depuis le début, comme n'importe quelle box, c'est sous système d'abonnement, en fait vous pouvez vous abonner et recevoir chaque mois votre box chez vous et puis ensuite quand vous en avez marre et que vous voulez vous désabonner, vous avez juste à vous désabonner, tout simplement. Ça s'appelle Chic des Plantes Nouvelles Infusions et donc c'est une box en rapport avec, bien évidemment, les infusions. C'est français, c'est artisanal. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos, que ce soit le site internet pour voir les prix, pour voir comment sont faites les box. Il me semble que la box coûte 14,90€ si je ne m'abuse. Vous aurez aussi le lien des réseaux sociaux, enfin voilà, vous aurez tous les liens dont vous avez besoin. Donc cette petite box, je l'ai aussi dans un petit pochon. Donc j'avais reçu une petite enveloppe qui m'était adressée et on nous mettait: chère Charlène, je suis très heureuse de vous faire découvrir notre nouvelle offre d'abonnement en février, Love is Chic, à bientôt Corinne. Donc oui, c'est la box de février que j'ai reçue, il est un petit peu tard, nos échanges ont été un petit peu longs entre la personne avec qui je conversais et moi, donc c'est vrai que là je vous présente la box de février. Donc en fait, le thème du mois de février pour cette box, c'était Love is Chic, donc on a des petits goodies en plus, je vais commencer justement par ces petits goodies. Donc on avait des petites cartes, Love is Chic, et de l'autre côté de la carte, ce sont des petites recettes, donc là, la petite pancarte est bleue et on a le Love Latte pour deux personnes et donc on a des recettes avec
les infusions qui sont dans la box. Donc ça, je trouve que c'est une super idée. Parce que bah, personnellement, les infusions, à part me les faire dans une tasse d'eau chaude et à boire, je sais pas trop comment consommer autrement que ça une infusion. Pour vous donner une idée, donc là par exemple, on a le sachet blanche, 30 cl de lait d'amande bio, 10 cl de lait de coco bio, 2 sachets d'infusion blanche et une date bio. Donc vous voyez qu'ils préconisent d'utiliser essentiellement des aliments bio. On avait une seconde petite pancarte, donc toujours avec écrit Love is Chic rouge cette fois-ci. Et cette fois-ci c'était la Chic Bowl, donc avec l'infusion l'enracinée. Et en fait cette fois-ci c'était une recette où il faut par exemple 2 pavés de cabillaud, 2 sachets de l'enracinée, 2 poignées de mâche bio, une betterave bio, 2 tasses de quinoa cuit bio, un avocat bio, une courgette bio, 2 petites poignées de graines de courge. Pour la sauce il faut un yaourt grec, le jus d'un citron bio, une demi-betterave bio et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive bio. Donc là c'est une recette par exemple de poisson. Il y a une petite carte, donc c'est la carte en fait qui explique un petit peu le concept de la box. On nous disait « Merci d'avoir poussé la porte de notre petit jardin. Chic des plantes s'est lancé un défi, réinventer l'infusion. Pour cela, nous sommes allés trouver les druides du 21e siècle, les producteurs qui cultivent les plantes aux qualités les plus pures. Puis nous avons réuni devant nos chaudrons un spécialiste des plantes, une chef renommée et une aromaticienne un peu magicienne. Résultat des infusions incomparables par leur goût et leurs bienfaits, prêtes à conquérir tous les palais. » Donc on a bien le label juste ici. Tous nos produits sont certifiés écossais. Et il y a le label bio, je vous le prouve en vous montrant ça, voilà, juste ici. Ils ont bien le label bio et ce sont des produits certifiés écossais. Et en fait, on a la description des trois infusions qu'on a dans la box. Donc en fait, dans le petit sachet, il y avait un dernier petit goodies, il y avait une petite cuillère en bois. C'est trop mignon, c'est marqué dessus « D'amour et d'eau chaude ». Et c'est trop mignon, voilà, ça fait un petit goodies supplémentaire pour pouvoir... pour pouvoir touiller son petit thé. Voilà, c'était un petit goodies en plus, la petite cuillère en bois, je trouvais ça vraiment mignon. Et donc à l'intérieur du sachet, on avait pas mal de... j'avais pas mal de d'infusions, sachant qu'il en manque deux, parce que j'en ai déjà goûté deux. Et il y a trois infusions différentes. Donc il y a tout d'abord la blanche. Hop, il y en avait quatre. Donc il y en a quatre de chaque, si je ne me trompe pas. Une, deux, trois, quatre. Et une... Donc, il y en a quatre de chaque. Donc ça vous fait en tout 12 sachets d'infusion. Et donc il y a la description de l'infusion sur la carte. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire que vous avez aussi le temps d'infusion avec la température. L'idéal, c'est de la faire infuser 7 à 9 minutes à 90 degrés. Et donc on nous dit « Luge calme et volupté, signé Fusalpe, une petite gourmandise réconfortante au pied des pistes. » Donc la blanche, il y a de l'amande, de la banane, de la camomille matricaire, de la châtaigne, du gingembre et de la noix de coco. On nous met en fait les vertus de chaque aliment. Donc par exemple... On nous dit « L'amande ultra vertueuse régule le cholestérol et préserve les os. À l'instar de la noix de coco, elle est antioxydante, normalise le transit et agite sur la satiété. Riche en potassium, la banane préserve la santé gastro-intestinale. La camomille matricaire est reconnue pour ses bienfaits digestifs comme le gingembre dans un genre plus stimulant. Moins calorique que ses pairs à coque, la châtaigne crue contient de très nombreuses vitamines et minéraux. Vous avez... tous les bienfaits de ce thé, c'est-à-dire qu'en buvant cette infusion, pardon, c'est-à-dire que vous savez qu'en buvant cette infusion, vous allez avoir tel bienfait et tel bienfait derrière. Je trouve ça super chouette, je trouve ça vraiment top d'avoir vraiment été à fond du concept. Le goût, on sent vraiment que c'est un goût étudié en fait, il est pas trop fort. Bon après c'est une infusion, c'est pas un thé, donc forcément c'est pas très amer et très puissant, mais moi ça me va très bien. Comme je vous ai dit, étant enceinte, j'évite de prendre du thé, je prends plutôt des infusions, et celle-ci elle est assez douce et elle est vraiment très très bonne. J'ai beaucoup aimé celle-ci. Ensuite, on avait la Fantasma. Donc Fantasma, on nous préconise de la faire infuser 6 minutes à 80 degrés. C'est l'infusion défendue, quelques préliminaires à infuser en duo sous la couette. Et en plus, ça correspond bien parce que comme c'était la box de février, ça correspond bien avec la Saint-Valentin par exemple. Donc dedans, on a de la baie de genévrier, des baies roses, du bleuet, du cardamome, du citron, du gingembre, du laurier noble et du passiflore. Le fougueux trio gingembre, cardamome, baie rose engendre une chaleur stimulante. Le laurier noble, la passiflore et la baie de genévrier unissent leurs vertus antispasmodiques, apaisantes et digestives. La couleur intense des
pétales de bleuet exalte l'imagination et invite au lâcher prise. C'est très coquin. C'est une j'aurais jamais cru dire ça un jour d'une infusion. C'est une infusion coquine. Voilà, si vous avez envie de stimuler vos sens avant de passer une petite soirée romantique et sensuelle, il faut boire ce thé-là. C'est un aphrodisiaque apparemment. Cette infusion, pardon, j'ai tendance à dire thé, mais c'est une infusion. La troisième, donc, qui est l'enraciné que j'ai également goûté. Donc voilà, l'enraciné, c'est celle-ci. Et ils nous préconisent de la faire infuser 6 à 8 minutes à 90 degrés. On nous dit telle terre, tel fils, une tasse qui voit rouge, savoureusement bienfaitrice, sève, lève-toi. Ils donnent des petits jeux de mots en même temps. Donc il y a de la betterave, de la carotte, du curcuma, du gingembre, de l'angélique, de la tomate et du poivre. La betterave est une réserve d'énergie, de performance et de santé oculaire, comme la carotte qui agit sur le système immunitaire et les insuffisances hépatiques et rénales, bénéfique pour le foie et également antioxydant, la tomate et le curcuma, l'une filtre les déchets de l'organisme, l'autre stimule la digestion quand l'angélique et le poivre apaisent ses inconforts. On nous met derrière, l'amour n'est rien d'autre que la suprême poésie de la nature, Heinrich von Ofterdingen. Vous pouvez retrouver le site internet, leur Instagram, leur Facebook et leur Twitter. Comme je vous ai dit, vous aurez tout ça dans la barre d'infos. Si jamais vous aussi vous êtes dans cet élan là de vouloir vous diriger un peu plus vers le bio, ou bien tout simplement de découvrir des choses nouvelles et un petit peu plus originales que ce qu'on peut trouver en grande surface, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site et puis visiter, regarder un petit peu ce qu'ils proposent, et puis vous abonner si jamais la box vous a plu. En tout cas, je trouve que c'est un très très joli concept. Chic des Plantes m'a gentiment proposé d'organiser un concours pour vous. J'ai trouvé ça vraiment super 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 sympa. Le ou la gagnante remportera exactement la même box que moi j'ai reçue. Vous aurez les conditions de participation dans la barre d'infos comme d'habitude. Elles sont pas énormes. Je vous demande tout simplement d'être au minimum abonné à ma chaîne. Ça me paraît quand même logique. Le but du jeu, c'est de faire plaisir à mes abonnés. Et ce serait sympa d'aller rejoindre Chic des Plantes sur leurs réseaux sociaux. Ils ont Facebook, Twitter et Instagram. Et tout simplement, vous avez juste à m'envoyer un email à cette adresse. Donc c'est l'adresse avec laquelle j'organise mes concours. Le précédent giveaway que j'avais fait sur ma chaîne, c'était à cette adresse là. Donc c'est lechatconcours@gmail.com, si je me trompe pas, c'est ça. De toute façon, ce sera celle qui sera écrite ici et qui sera dans la barre d'infos. Vous avez juste à m'envoyer un email à cette adresse en me donnant vos coordonnées. Vous me donnez donc votre pseudo YouTube, que je puisse vérifier votre abonnement, votre pseudo YouTube et votre adresse postale complète, à savoir votre prénom, votre nom de famille, votre rue, votre code postal et votre ville. Et aussi, très important, me dire si vous êtes majeur ou mineur, et si vous êtes mineur, avoir l'accord parental, puisque vous allez devoir transmettre vos coordonnées. Donc c'est très important, si vous êtes mineur, que vous ayez l'autorisation de vos parents. Et le concours sera ouvert une semaine à partir du jour où je posterai cette vidéo. Je ne sais pas quel jour ce sera posté, donc c'est pareil, les dates de participation seront évoquées dans la barre d'infos et vous aurez les jours auxquels vous pouvez participer. Je vais ouvrir ce concours une semaine. Je suis extrêmement ravie de ce premier partenariat. Et puis si jamais hormis le concours vous avez envie de vous abonner à cette box, il y aura le lien dans la barre d'infos avec lequel vous pouvez aller vous abonner. C'est un abonnement mensuel comme n'importe quelle box, après ça fonctionne comme n'importe quelle box. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si jamais vous l'avez testé ou non, est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'espère du fond du cœur que c'est une vidéo qui vous aura plu. Ça me tient vraiment à cœur de faire les choses bien, les choses de qualité, et comme c'est mon tout premier partenariat, j'avais vraiment envie de faire les choses proprement et de faire les choses correctement, et puis surtout d'être 100% honnête envers vous et d'être 100% honnête envers la personne avec qui j'ai conversé. Voilà, c'est un échange d'honnêteté avec, avec le partenaire et un échange d'honnêteté avec vous, et j'espère avoir réussi sur tous les tableaux ce petit pari. En tout cas, j'espère sincèrement que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si vous êtes perdu au niveau de toutes les informations que je vous ai données, tout sera répertorié dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.